Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous, mathématiques, ça là, dans le cadre de la deuxième sortie nous pour ce maintenant, pour nous capables de présenter toutes les informations qui ont dominé l'actualité. Déjà, nous souhaitons passer une bonne journée. Mais, grand point, 1022 nouveaux agents intégrés officiellement police nationale d'Haïti. Cérémonie graduation 28e promotion s'est déroulée hier lundi 18 décembre dans l'Académie police là, Kishita, sur route frère commune Pétionville, en présence du président de la République, Jovenel Moïse, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, et diverses autres personnalités. 34e session Assemblée parlementaire parité ACPUEO l'ouvrit lundi 18 décembre dans Pétionville en présence de membres du gouvernement haïtien, parlementaires et diverses autres personnalités encore. La migration, une réalité à gérer au bénéfice de tous, c'est sous thème ça, plusieurs organisations célébrées, Journée internationale à Migrayo, lundi 18 décembre. Et puis, à l'étranger, pays la Chine à la Russie, c'est plus gros menace qui a empêché pays États-Unis de pouvoir sur toute la terre. Ces déclarations président américain Donald Trump fait hier pendant qu'il a présenté une stratégie sécurité pour le pays États-Unis. C'est grand point ça à quelques navires pour nous capables de développer pour un journal là n'a pas de pas déplacer dans tourner. Merci pour fidélité et attention. Nous retournons pour le développement information. Et j'en ai dit dans le grand titre, 28e promotion police nationale d'Haïti, prêté serment lundi 18 décembre dans l'Académie police là, sur route frère, une cérémonie qui déroulait en présence du président républicain Jovenel Moïse, premier ministre paysan Dr. Jacques Guy Lafontaine, et diverses autres personnalités politiques et représentants corps diplomatique et consulaire. Pour mon sosa qui pote nom Orion, gela dernier 1022 nouveaux agents qui pral reparti dans divers commissariats et sous-commissariats dans le pays d'Haïti. Sabine Jean-Etienne et Genève Duvenet étaient sur place et a présenté nos reportages. Après environ 8 mois formation, jeune fille et jeune garçon sa yo paré pour intégrer police nationale la qui gen mission protéger et servir population. Directeur académie police la Bernard Eli présentait plusieurs projets qui visaient renforcer l'école police la tant qu' augmentation salle classe yo ak yon laboratoire moderne. La réorganisation de l'institution policière doit prendre naissance ici à l'école nationale de police. Et pour avoir une police forte, il faut commencer par moderniser ces infrastructures et les adapter aux besoins de la réalité dans laquelle nous vivons, afin d'obtenir un meilleur résultat. Le moment est venu de doter l'École nationale de police de nouvelles salles de classe, d'un laboratoire de langue et d'informatique, de dortoirs contenant du matériel sanitaire incorporé, afin que les apprenants puissent en prendre soin et se responsabiliser de leur entretien et réparation. Respect droit moun, application principe la loi, honnêteté et sens professionnel, c'est quelque dans conseil directeur général police nationale là Michel-Ange Deyon bay nouveau agent PNH. Vous avez des droits aussi et je souris les faire respecter. Aspirant policier de la 28e promotion, vous serez des agents de l'ordre et des garants de la liberté. D'après Eugène Marbeau, la liberté, c'est le respect des droits de chacun. L'ordre, c'est le respect des droits de tous. Vous êtes donc liés à tous et à chacun pour la garantie des droits. Soyez toujours fermes et vigilants, mais soyez toujours respectueux des droits de la personne humaine. C'est entre autres ce qui va vous différencier de toute bonne armée. Une arme vous sera remise après la prestation de serment. Sachez que ce n'est pas un joujou qu'on exhibe pour impressionner ou rançonner. Président républicain Jovenel Moïse promet
administration là a pas accompagné policier sa yo qui choisi pour te coller dans instauration yon état de droit en Haïti pendant li météo nan campé loin contre toute action qui casale image institution. Demandé premier ministre là pour créer pressé yon commission avec OMRH, Office de management des ressources humaines, ministère justice et ministère finance pour dossier gestion carrière dans la police qui a bien traité pour nous finir avec problème arriéré avec prime qui pas qu'à payer les sadois. Peuple haïtien reconnaissant pour tous les efforts policiers fait chaque jour mon Dieu mette. Nous connaissons le travail policier pas facile 24 heures sur 24. Dans le bon temps, tant qu'on a mauvais temps. La journée, tant qu'on la nuit, il y a des policiers qui sont des pieds à servir le peuple. Les policiers, c'est fierté. Dans notre tout pays, je m'a dit tout policier, merci. M'a profité, je dis toute famille policier qui tombait dans le bail service. Merci. 28e promotion police nationale la baptisée promotion Orion. Li gen la donne 1022 agents parmi yo 125 filles. À partir lundi 18 décembre, policiers sa yo pral reparti dans différents commissariats sous territoire. Merci Sabine Jean Etienne et Janaël Duvernay. Nous te dit li tout nan grand titre 34e session Assemblée parlementaire parité ACPUE l'ouvri lundi 18 décembre là dans commune Pétionville. Cérémonie ouverte ici là déroulée en présence membre gouvernement parlementaire premier ministre là avec diverses autres personnalités encore. Esaïe Aurelius avec Fresnel Toussaint sur place y a présenté nous en quoi 38. C'est le président de la République, là, Jovenel Moïse, qui l'ouvre tout ça, doit permettre aux parlementaires de différents pays de discuter sur les problèmes qu'ils ont fait face. Changement climatique, migration, économie, terrorisme, pour ne citer ça seulement, a fait partie de grand point cap débat dans le cadre de la session. Le président du Sénat de la République, là, Yuri Latortue, dans l'intervention, met l'accent sur l'intérêt pour tout acteur au travail pour créer un monde meilleur pendant l'exiger d'être indépendance là, et réparation victimes de choléra. De nos jours, notre monde est confronté à de multiples problèmes qui vont des changements climatiques au terrorisme, aux inégalités sociales criantes, aux migrations forcées, à la pauvreté, au racisme et au trafic d'êtres humains. Nous, les mandataires d'une grande partie des peuples du monde, nous devons dialoguer davantage afin de faire front commun contre ces nouvelles menaces. À l'occasion de cette session, nous allons débattre prioritairement des problématiques concernant la démographie, les inégalités de genre, l'économie bleue, les effets des changements climatiques. Toutes ces questions concernent Haïti au premier chef et nous avons hâte de discuter avec vous pour enrichir notre réflexion sur les solutions à adopter dans l'élaboration de nos politiques publiques. Président de la République, là, Jovenel Moïse, souligne l'importance assise sa yo, qui doit débattre certains points pour avancement mondial. Chef l'État, qui rappelle les difficultés pays ACP yo a connaît, mandé engagement assemblée parlementaire paritaire ACP yo, n'en prend décision qui bon pour pays respectif yo. Messieurs les co-présidents, honorables parlementaires, comme à l'accoutumée, le programme de vos 3 jours de travail en plénière comporte des thèmes divers dont chacun est crucial pour le futur de nos États, de nos régions et des relations ACP-UE. Je veux citer les échanges commerciaux, l'économie verte, l'équité de genre, le changement climatique, les catastrophes naturelles, la migration, le partenariat économique et j'en passe. Tous ces sujets sont d'actualité et constituent autant de sujets de préoccupation pour la communauté internationale dans son ensemble et pour l'Union européenne et les États ACP en particulier. Messieurs co-présidents,
Honorables parlementaires, je sais que vous avez des groupes et des commissions thématiques qui traitent les questions structurelles et les faits de conjoncture en profondeur. Je crois que ces travaux, par-delà leur aspect technique et politique, contribueront à forger une opinion publique éclairée, nécessaire à la vitalité du régime démocratique. D'ores et déjà, je vous remercie pour les réflexions de haut niveau que vous allez faire sur les points constituant le menu de la 34e Assemblée parlementaire ACPUE, ainsi que les décisions que vous allez adopter. 34e session Assemblée parlementaire paritaire ACPUE, qui commence lundi 18 décembre, nan, doit arriver dans Boutli, 20 décembre, qui vient là. C'est pour la première fois Haïti a prévu un événement ça qui réunit plus passé 100 délégations. Nous parlons au niveau du Parlement haïtien semi-centenaire. Gagné sénateur Grand Aslan, Sorella Jacinthe, qui encourage le pouvoir exécutif là pour capable arriver à joindre un consensus avec parti politique et puis organisation dans la société civile là sous formation conseil électoral permanent. Parlementaire a dit reconnaître la constitution pays à tracer façon pour conseil électoral permanent limité. Cependant, CEPA doit inspirer toute société à confiance. D'après ça, Lydie. L'économique Fedner confident avec Moïse Joseph Wilbridge. Pour faire un conseil électoral pour toute population, pour tout secteur de la Croix-Rouelle, il faut tenir compte de, en même temps, ce que la Constitution a tracé avec les trois pouvoirs, la Constitution a amendé, mais en même temps, il faut tenir compte, faut tout pouvoir, ça a tenu compte des secteurs, de tous les secteurs, les partis politiques, privés, la presse. Donc, pour qu'on ait exactement qui conseil électoral qu'on est capable de bailler, que ce soit sur le plan légal, que ce soit sur le plan consensuel, que ce soit sur le plan légitime, pour tout le monde accepter pour un conseil électoral permanent, enfin. Donc, moi-même, je dis oui, parce que la Constitution a bien tracé, c'est les trois pouvoirs, chaque pouvoir, il y a trois mondes. Mais le monde que le Sénat, la Chambre des députés, judiciaire, l'exécutif, donc là, choisir Mounsaïo, je pense qu'il faut tenir compte de secteur. Est-ce que Mounsa, c'est dans le parti politique là, le sorti, là qui parti politique? Est-ce que c'est dans l'opposition? Est-ce que c'est dans le secteur privé? Qui tendance li? Laisse ça pour fond conseil électoral, les exécutifs et judiciaires et législatifs, bah, trois membres pour tout le monde dit enfin, je crois que c'est un conseil électoral qui va faire les élections. Mais là, nous va parler de constitution, non? C'est constitution, l'éclair sur ça. La constitution n'a pas dit ou choisit trois membres qui sont dans le même secteur, non? Constitution n'a pas dit ou que choisit trois unités ou bien trois PHTK ou bien trois vérités. C'est pas ça, constitution, non? Les deux, chaque pouvoir, il y a trois mondes. Mais qui côté, mounsa ou al sorti ou pas qu'on est? Parce que qu'est-ce que c'est que la loi, la constitution? C'est une vision, ou même en tant que chef d'État, ou bien en tant que homme ou bien femme d'État gagné, donc au besoin d'un support légal, c'est ça lié. Mais elle pas dit ou soit choisi, monde que y a voué bah ou c'est tel côté pour le sorti. Donc dans ce sens, ou gagné, on marche quand même pour manœuvrer, pour chita, pour qu'on consensus sur ce secteur, l'homme du conseil électoral, là, pour tout le monde dit, oui, Mounsaïo est capable de faire élection. Mais si déjà moi-même, qui ai un parti politique, ou tous les trois Mounsaïo, tous les six Mounsaïo, ou tous les neuf Mounsaïo, sont dans le seul secteur, m'a commencé peur. Et bien ça, oui, la légale, mais la légitimité qu'on a besoin. Parce que, pas oublier, quand le président Matelité voulait faire conseil électoral permanent, tout problème qui était gagné, c'est pour ne pas prendre tout pour contre lui. Monsieur Aristide, Monsieur Préval, idem. Donc, ils étaient comprendre. Et ils étaient rentrés. Et jusqu'à présent, ils ont une question électorale provisoire. Donc, si vous n'avez pas tenu compte de tout ça, donc vous ne pouvez jamais arriver pour le conseil électoral permanent, pas oublier. C'est Mounsa, ou à tort ou à raison, c'est eux qui ont monté pouvoir. Depuis là, AZEC, délégué ville, collectivité,
magistrat, sénateur, député, président. Donc, faut faire attention. L'on fin fait, les résultats sortis, les moun nan passé pour dire, moun sa yo me fait confiance. Si c'est 20 voix, bah, chaque moun sa veut dire, c'est 20 voix moun nan te gagné. N'a quitté par les législatifs là sur bicentenaire, n'a continué avec information yo. Institut mobile éducation démocratique qui gen pour siga IMED fait sortir un rapport sur système carcéral haïtien, ça veut dire qui gen prison yo yé pas bon ici pendant année 2017 là. Rapport ça visé mandé l'état haïtien pour prendre bon jamaisie pour capable faire respecter droit à dignité prisonnier yo. Directrice exécutif Imedla Ketli Julien fait connait les important en pile pour organisation droit moun yo continuer dénoncer mauvais traitement yo dit prisonnier yo absibi en dans prison yo. Yon extrait nan micro Midreya Miliasa ak Micho Joseph. Sonnette d'alarme pour nous dire que il y a problème et il y a des problèmes sérieux même si on pas attendre dans la presse, d'accord, mais que il y a des monde qui toujours cap mourir, il y a des monde qui malade, il y a des monde que si c'est pas grâce à des ONG tels que Food for the Poor cap porter des médicaments, cap bailler des manger, cap gagne plus cadavre et que insalubrité a toujours là problème, yo toujours là. N'a pas gardé jusqu'à hier et nous tes petits goaves ou tendez que il y a des prisonniers qui disent comme ça que il y a pas faire des grèves parce que sur population cancer à la trop petit tigouave, puisque tigouave sous gardé que pas de côté pour prendre récréation. Yo pas cas puisque c'est dans tribunal, c'est dans commissariat que yo logé. Dans commissariat, deux trois policiers, est-ce que vous prenez en charge pour mettre tout policier ça, tout détenu ça au de yon? N'est pas possible. Et que tout ça nous pose problème, faut que l'État prend responsabilité. T'es gagné pour te faire une gros prison. Depuis combien de temps nous connaissons que de sortir dans APENA tout tombé dans DAP, tu as un terrain qui t'est acheté. Et que tu as un international là qui t'a dit la balle font plus gros prison. Parce que si tu regardes les pénitenciers côté lié là, il y a des murs que si vraiment que nous te mounioté, parce que nous avons un peuple vraiment qui accepte tout bagaille, c'est des murs qui presque tombé à côté murs yo ou gon l'école, il y a plusieurs écoles ou gen un nouveau collège Bird qui à côté yo et que l'on regarde comment l'école collège Bird l'a construit. Si moun yo campé en dans l'école, il y a tout ça qui a passé en dans prison, est-ce que là c'est sécurité pour presque moun qui dans voisinage? Il est temps que yo retire et espace ça pour que yo aménager l'autre prison l'autre côté dans espace côté lié à moun pa ka pile sous pile ou pa ka ou ap rentre parfois que gen des sachets noirs que moun yo c'est là yo fait excrément yo que si yo pas retire yo attend que moun yo kon pren yo fait retourner basket, c'est-à-dire que si yo pas retire yo gen des policiers ou bien des autorités a passer yo voyez sou yo. C'est toute situation ça que nous dit que nous mettez là dans rapport que nous faire pour que l'État prend responsabilité et sans démagogie. Et nous te dit tout dans grand titre, la migration une réalité à gérer au bénéfice de tous. C'est en baptême ça diverses organisations célébrées journée internationale à migrants yo hier lundi 18 décembre en présence en plaisir personnalité parmi yo ministre affaires sociales et travail là Stéphanie Auguste ak représentant différentes organisations Cap travail sous affaire droit moun. Na occasion Colette Lespinasse a plaidé en faveur bon Jean Pierre pour migrants haïtiens qui vivent en République Dominicaine pour yo capable circuler libre et libre. Qui donc l'État doit ratifier convention l'ONU qui déclare 18 décembre comme journée internationale droit migrant yo. D'après ça, li fait connaître. Marie-Jolie et Eve Pierre a présenté nos reportages. Journée internationale migrant yo, c'était occasion pour responsable yo réfléchir sur problème migration en Haïti ak nan monde lan. Fabien Sambuzi, représentant organisation internationale migration en Haïti, expliquait phénomène migration gen avantage ak inconvénient ni. Il y a des règles et ces règles-là sont des règles qui permettent aussi de protéger les migrants. C'est pas forcément ce que nous, en tant qu'Organisation internationale pour les migrations, nous allons préconiser comme mesure. Cependant, j'ai eu la discussion avec certains États de la région qui sont obligés de déporter simplement pour éviter qu'il y ait un afflux bien plus massif de migrants dans leur pays. Cependant,
et je m'efforce de faire mon travail et d'essayer de les orienter vers des solutions qui soient plus dans leurs intérêts, mais aussi dans l'intérêt des migrants. Il y a des mécanismes qui sont des mécanismes d'échange, de coordination au sujet des migrants. Certains pays et beaucoup de la région ont besoin de migrants. Ils ont besoin de main-d'œuvre pour le développement de leur économie. Cependant, si cet influx de migrants n'est pas coordonné, n'est pas planifié, n'est pas régulé, compte tenu du niveau de pauvreté de certaines populations en Haïti, certaines gens s'y rendent à n'importe quel moyen. Et n'importe quel moyen veut dire très souvent victime de violence. Eudes Lajoie, directeur général Office National Migration, qui a participé dans la Journée internationale migrant, dit le travail pour comment les cas des migrants haïtiens jouent un plus bon traitement dans quel que soit pays ils trouvent. La condition nous est frère, nous sommes nous à vivre, nous rentrer dans le pays. Et nous arrivons dans le poste depuis 21 juin dernier. Et que l'état des lieux que nous avons fait et révélé ONM sont en situation sont lamentable, catastrophique. Et que les conditions d'accueil ne sont pas réunies, par faiblesse, capacité, dans tout sens, ressources humaines, ressources financières, fait que les gens pour nous accueillir, nous ne sommes pas jamais faire. Aujourd'hui, à ces journées internationales migration, jusqu'ici, nous ne pouvons pas arriver vraiment à remembrer l'institution, justement pour permettre d'accueillir la fête dans plus de dignité. Phénomène migration a touché. Journée jeudi à presque tout pays dans le monde là, dans un niveau avec l'autre. Toujours dans le cadre même dossier, la journée internationale à migration qui est célébrée lundi 18 décembre en baptême Migration, une réalité à gérer au bénéfice de tous. Et bien, il y a un groupe Cap Défense rapatrié et réfugié au Gard, lui-même à bon côté par là, qui plaide pour Parlement haïtien ratifier convention internationale qui est pour avoir droit migration. En nous suivant extrait. Nous même au niveau de gars, dans la journée ça, nous connaissons que il y a plus de 3 millions haïtiens qui vivent à l'étranger. C'est vrai que il y a qui tombent au sous des terres accueillies, qui a fait face à des situations de racisme, de discrimination et qui victime toutes sortes de violations. Au niveau de gars, pour manquer journée ça, nous lançons une lettre ouverte qui est adressée avec parlementaires haïtiens. Pour demander pour ratifier convention 1990 là. Convention ça a permettre que Haïti finalise le processus qu'il était déjà commencé. Nous connaissons signé l'État haïtien signé convention en décembre 2013, mais il n'y a pas vraiment une valeur contraignante. C'est là que le Parlement ratifie la valeur contraignante et Haïti a montré bonne volonté pour créer un cadre protecteur pour migrants. L'ICEO est un instrument qui est important tout, puisque nous connaissons en pile haïtiens à vivre à l'extérieur, qui vraiment vivre des situations de violation extrême, si nous prenons le cas de la République dominicaine, côté que c'est tout le temps à dénoncer violations et à subir, ni pendant ce territoire-là, ni dans toute opération de rapatriement. Yo. Une telle convention, si elle est Haïti signée, la permet que l'organisation qui travaille avec les migrants, elle fait plaidoyer plus bon côté autorité qui sont les principaux récepteurs des migrants haïtiens. Laisse ça un outil de plaidoyer en plus pour nous-mêmes. Conditions migrants de plus en plus empiré. Non seulement n'a fait face à des avec un pic dans l'immigration. Bon, la kay pa nou, en plus jeunes professionnels de tout calibre a quitté pays et aller. Mais ça qui plus préoccupe nous, c'est parce que gen pile la nan yo qui allait dans des situations irrégulières qui mettaient vie en danger. Malheureusement, nous pas connaît au niveau de l'État qui processus ka fait pour suivre moun sa yo que l'on veut non son dossier pour la DC. De plus, nous connaissons tout par rapport avec la situation migrants qui en République dominicaine qui sont cas emblématiques. Opération rapatriement a toujours continué. D'ailleurs, pour de janvier à 13 décembre 2017, nous enregistrons un total de 68 426 personnes qui traversaient la frontière.
Là-dedans, il y a deux catégories. Il y a un rapatrié qui équivaut à 37 412 et retourné spontané qui équivaut à 31 075 personnes. Alors, Mounsayo, c'est dans le même par rapport avec monitoring gars fait sur ligne frontalière là. Ils ont rentré dans des conditions critiques. Parallèlement à ça, nous enregistrer 31 cas de emblématiques de violation des droits humains à l'encontre des migrants. Il y a 7 cas d'assassinat là-dedans et 5 enregistrés en République dominicaine. L'autre 2 ont enregistré au Brésil et au Chili. N'a quitté la caille, nous pour aller à l'étranger, particulièrement dans le pays Argentine, puisque il y a plusieurs milliers d'Argentins qui manifestaient hier lundi dans la rue contre passé mais qui compte faire dans affaires retraite. Président Mauricio Macri lui-même lui voulait changer façon yo calculer l'argent pour pension yo. Une situation qui fait mâchoire gonfler bon côté monde qui prend retraite yo qui pensait réforme si là pas avantage à cause inflation qui passe cependant valait terrain dans pays Argentine. En nous suivant reportage à Euronews. Le tintement des casseroles pour faire résonner la grogne des Argentins. La nuit dernière, des centaines de manifestants ont investi les rues de Buenos Aires pour dire non à la réforme des retraites débattue par les députés. Le président Macri veut changer le calcul de la revalorisation des pensions et les retraités sont persuadés qu'ils vont y perdre dans un pays où l'inflation galopante n'a cessé de rogner leur pouvoir d'achat. L'argent, il peut venir des rétentions fiscales, il peut venir du jeu. L'argent, ils peuvent aller le chercher dans bien d'autres endroits, comme l'industrie minière. Mais non, ils me le prennent à moi, un humble retraité. Plus tôt dans la journée de lundi, devant le Parlement, de violents affrontements avaient éclaté entre manifestants et police anti-émeute, faisant plus d'une centaine de blessés et conduisant à une soixantaine d'arrestations. À la tête d'un pays qui reste enlisé dans une profonde crise économique, le président argentin entend réduire drastiquement le déficit et l'inflation, mais beaucoup d'Argentins redoutent que le remède soit pire que le mal. La Chine et la Russie, c'est la plus grosse menace qui a empêché le pays États-Unis de pouvoir aller sur la terre. C'est déclaration président américain Donald Trump a fait hier pendant l'État présenté et stratégie sécurité pays États-Unis d'Amérique. Donald Trump a profité tacler tout Pakistan avec Corée du Nord dans le cadre d'intervention. C'est là, à nous suivre. Le président américain a présenté ce lundi sa stratégie de sécurité nationale, pointant du doigt la Chine et la Russie comme principales menaces à la suprématie américaine. Il s'est aussi arrêté sur le danger que représente le régime nord-coréen et s'en est pris au Pakistan, qu'il accuse de ne pas lutter avec assez de force contre le fondamentalisme. Nous sommes aussi confrontés à des pouvoirs rivaux, a-t-il déclaré. La Russie et la Chine qui défient l'influence, les valeurs et la richesse des États-Unis. Nous allons essayer de construire un partenariat solide avec eux et d'autres pays, mais de manière à ce que notre intérêt national soit toujours protégé. Dans un rapport de 70 pages publié ce lundi par la Maison-Blanche, le ton est beaucoup plus ferme. La Russie et la Chine y sont qualifiées de puissances révisionnistes. Moscou y est accusé d'utiliser des moyens de propagande pour attaquer les démocraties. Donald Trump n'a cependant pas abordé les soupçons d'interférence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016 qu'il a portée au pouvoir. Pas un mot non plus sur la menace du changement climatique, un sujet majeur de la stratégie sécuritaire de son prédécesseur. Les États-Unis sont de retour et c'est un retour en force, a-t-il conclu. God bless you. Thank you. C'est sous dernière information ça n'a metté bouton dans journal à matin puisque surtout il est déjà 7h30 il est pour nous aller. Et bien avant nous dire bye bye permettre que nous rappeler au grand point qui dominait actualité.
1022 nouveaux agents intégrés officiellement police nationale d'Haïti. Cérémonie graduation 28e promotion ça déroulé hier lundi 18 décembre dans l'académie police là Keshita sur route frère commune Pétionville. Une cérémonie qui déroulé en présence président républicain Jovenel Moïse, premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et diverses autres personnalités. 34e session Assemblée parlementaire parité ACPUEO l'ouvre lundi 18 décembre dans Pétionville en présence de membres du gouvernement haïtien, parlementaires et diverses autres personnalités. La migration, une réalité à gérer au bénéfice de tous, c'est en baptême sa journée internationale migrayo célébrée hier lundi. Et puis à l'étranger, la Chine a clairement ici c'est des plus gros menaces qui a empêché pays États-Unis blaye pouvoir aller sur la terre. Ces déclarations président américain Donald Trump fait pendant l'état présenté et stratégie sécurité pour pays les. Nous te contents ensemble avec vous pour capable former vous. L'irriter seulement pour capable souhaiter une bonne journée.